Allez, attention, c'est parti. Les feux s'allument. Les cinq feux. Et c'est le départ. C'est le départ. Très très bon départ de. Très très bon départ de Gimmy. Très très bon départ de Gimmy. Alex un peu en retrait. Alex qui aspire. Très propre cette tête de course, très très propre dans ce premier secteur, c'est souvent un peu compliqué. Là on est donc sur la POV de Alex, de premier au championnat, deuxième de cette course, hein, de la pole étant à Gimmy. Enzo qui a fait une sacrée remontée. Je vous rappelle qu'Enzo partait 16e sur la ligne et qui fait une remontée fantastique puisqu'il est déjà à même pas un tour, hein, puisqu'on n'a pas fini le premier tour de cette course. Il est déjà sixième et il met une très très grosse pression. Mais voilà, il est cinquième. Il est cinquième. Il est cinquième. Il fait le meilleur tour. Il fait le meilleur tour. Ah, c'est... Ouais. Pour moi, il est même deuxième. Pour moi, il est même deuxième. Pour moi, il est même deuxième. Ah non, non. Alex, Alex qui a un problème. Oh là là, c'est Alex. Alex qui est dixième. Alors là, ça c'est grave. Ça, c'est très très grave. Ça, c'est très très grave. Parce que Alex peut perdre. Je vais aller quand même regarder Alex. Je vais aller trop vite là. Et puis d'accord. Alex, il est où? Alex, il est ici. Oh là là. Alex qui est dixième à plus de 5 secondes. Et qui du coup arrive sur le deuxième peloton. Il va falloir qu'il soit intelligent Alex et qu'il garde son calme, qu'il essaye de remonter doucement. Il a les capacités Alex. Alex qui représente l'écurie alpine. Enneris qui, je vous le rappelle, fait partie du staff et qui fait sa première course de ce championnat. Oui, il sort un peu large là notre ami Enneris. Alors on va aller un peu on board avec lui, voilà, on va un peu on board, le soutenir quand même, c'est le copain. Je vous rappelle que ce n'est pas le seul, mais en partie, si vous avez ces deux serveurs, c'est à votre disposition. C'est aussi grâce à Enneris qui a fourni beaucoup de travail, comme d'ailleurs Tom que je tiens. Hop, 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 le spin d'Enneris. Oh là là, on avait ça en live, on n'était pas souvent sur sa cam, mais on était là pour ça. Voilà, et donc j'en profite pour remercier, je disais, Tom, Vis, Ilos, Flo, KT Racing, Matteo, notre graphiste, Thomas, notre demographiste, et Alpino, pour le staff de ce serveur, qui est grâce à toutes ces personnes que vous pouvez être avec nous ce soir et poursuivre et pour courir. Et bien entendu, on remercie tout le staff du Discord du GP Explorer officiel qui nous a permis aussi de faire tout ceci. On va regarder. Oh, pop, 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 c'est le crash là, c'est le crash. C'est le crash, mais il faut. Oh là là, regarde, ah, regarde ça. Là, on est sur Guillotine, ça sort. Alex qui passe. Guillotine qui sort, c'était qui était avec, c'était Blanco qui était, il y avait Guillotine, il y avait Adrien, il y avait Blanco et il y avait Ena. Ena, je ne l'ai pas. Mais c'est chaud, hein, comme vous pouvez le voir derrière. Je vais essayer de vous montrer une petite cam des ailerons là, que vous voyez un peu la bataille derrière cette magnifique cam. J'aime beaucoup cette cam. Regardez, oh, ce magnifique dépassement qu'on va assister là, c'est magnifique. Hop, un petit peu de F6 et regardez un peu comment je vous montre tout ça. Quelle production, les amis, quelle production. Oh là 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 là. Oh là là. C'est ça, on le voit ici. On le voit ici, cette tête de course. Ils ont quand même de l'avance, hein, ces deux-là. C'est quand même, ils font une course ailleurs des autres. Hein. Quand même 12 secondes d'avance par rapport à Jessica. C'est quand même quelque chose, hein. Franchement... C'est beau. Et on voit là, on profite de la grosse attaque que fournit Enzo pour tout donner jusque dans ce dernier tour. Je pense qu'Enzo, lui aussi, fait tout ce qu'il peut pour faire ce last to first. Il avait envie de le tenter. Je pense que c'est un défi purement personnel, mais c'est très beau ce qu'il nous a offert. Et comme on vous le disait, ils roulent tous les deux, hein, parce qu'ils sont tous les deux. Il ne faut pas oublier que Gimmy, pour l'instant, domine. Et
et que tous les deux sont quand même avec un gap de plus de 15 secondes sur le reste du peloton. Plus de 15 secondes. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. Et, oh là 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 là. Oh là là. Alex, Alex, cette fois, je crois. Là, on va essayer d'aller voir Alex, mais je crois que là. Et. Ah, Alex qui est sorti. Je vais vérifier cette information, mais Alex qui a quitté le serveur. Ah là là, quelle déception. Quelle déception pour Alex. Je me mets à sa place. Non, c'est Guimi. Victoire de Guimi, deuxième place d'Enzo. Rien du tout, hein, à 9 dixièmes. Enzo qui a quand même fait presque un last to first et qui est là à 9 dixièmes. C'est très beau. Hein, attention, la performance d'Enzo là était quand même assez exceptionnelle.